Samedi 12 octobre, un important panache de fumée s'est élevé au-dessus du centre-ville de Caudry. Il était aux alentours de 15 heures quand un incendie s'est déclaré sur le site du retordage de Caudry, un complexe qui héberge plusieurs entreprises de textile. Deux employés ont été intoxiqués par les fumées et transportés au centre hospitalier de Cambrai. Leur état, au moment de l'évacuation, n'était pas préoccupant. Un périmètre de sécurité a été établi dans le centre-ville par la compagnie de gendarmerie de Cambrai. Des sapeurs-pompiers, venus principalement du Cambrésis et du Valenciennois, ont lutté pendant des heures pour contenir le feu. En fin d'après-midi, quelques foyers subsistaient sans risque de propagation. L'origine de l'incendie n'est pas encore déterminée.